studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. La Méga Matin sur antenne Radio Méga qui c'est plus gros réseau radio haïtien dans le monde là. Jeudi à ces jeudi 5 mai 2022. Bonjour Marcel Joseph qui a fait Malep et que pour nous en Haïti. Nous l'attrier collaborateur à Miami. Bonjour Jean-Willer Sévère. Bon la journée jeudi messieurs. Bonjour Blaise Peterson. Bonjour Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon la journée. Rapidement, quelques principales informations que vous développez dans le journal là pour matin jeudi ici là. Journal Dominique Listen Diario annoncé libération diplomate Dominique Carlos Boulien Tatis hier soir. Yo pas bête trop détails sur circonstances libération. La fin qu'on est passé à l'essai Roma 4 qui joue libération. Tout après 3 jours séquestration. C'est l'agent qui bête pour le TK région de famille. Hier matin, jusqu'à présent, il y a plusieurs monde qui toujours nommé Bandio. Surtout madame Nicole, lui-même désir, nous entreprenons Bandio après un de business. C'est sous pour Morin. Un chambre commerce à qui district Franco Haïtien exprime préoccupation par rapport aux batailles gang Yona pleine qui paraît. Les activités économiques d'Amien, Douillard, quoi de mission, Bitboyer, Latrier. Situation s'applique grave toujours pour société Womba Bankoa, avec aliments congelés SA, qui génère puis passer 4000 emplois directs et indirects. Chambre commerce, Grégory Brett, a dirigé à Madé, autorité au sorti dans sommeil. Gaz a commencé by timidement dans la capitale, c'est pas dans la ville provinciale pour qu'on ait alimenté d'après Aladip, qui confirmé, bandit saisi 10 camions, 6 tonnes gaz dans ce terminal à Varéan. Je quitte ma dit passé en gaz saillé qui doit aller dans le grand nord pays d'après Aladip. Meilleur rapport observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie présenté hier mercredi en sortie 15 janvier pour 15 avril. Dans le document ça aussi dressé c'est 486 incidents, majorité incidents ça aussi kidnapping à assassinat qui donc 67% incidents qui rapport avec sécurité d'après citoyen qui m'a des gouvernements prêts à disposition pour résoudre le problème de sécurité pendant le souhaité tout acteur politique. Je n'ai encore pour payer en retourner la stabilité. Biro suivi à commandant la Gengo qui a cassé face au gang qui veut bloquer Grand Nord Payant après avoir déjà bloqué Grand Sud là à travers Matissa. Biro suivi à commandant a dit constaté Ariel Henry a allé à quoi 11 septembre. Fermé Géo sous population haïtienne non cap dépéri. Biro a mandé Premier ministre Ariel Henry pour reconnaître échec li pendant le passé. Grand international là, il dit qu'il n'y a pas de campé n'a observé. Brigade syndicale anticorruption avec plusieurs autres organisations lancé des journées grève avec pour les 9 et mardi 10 qui a venu là pour dénoncer le phénomène d'insécurité avec mauvaise gestion pouvoir en place là. Du Messon sont une responsable à brigade la des populations pour décoller. Directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance révélé États-Unis te fait demande extradition pour yon depuis mois avril 2021 qui donc l'été de extradé depuis avant même kidnapping sur américain yo. Parole Pierre Espérance. Un dirigeant Fonds National Résistance pour yon Haïti stable progrès à quoi situation qui a développé dans le pays a dépassé la police nationale là pour Rosemont Jean, ministre de la Défense, de mobiliser l'armée d'Haïti pour mater gangue militaire politique qui a critiqué CSPN qui continue à toucher l'argent sans parler de l'évité pour la population. Groupe Cap a pillé rapatriés et réfugiés au Gard dénoncé dans de mauvaises conditions compatriotes haïtiens travaillent dans la République dominicaine. Côté, il y a touché un petit crasse-corbe pendant faire pile travail. Gard, mais d'autorité haïtienne, nous prenons à disposition pour accompagner les ressortissants haïtiens. La caille voisin. Matin, la différente rubrique, nous avons démarré le journal avec Mme Christette Saint-Georges Capoté pour nous. Toute dernière prévision météorologique journée dans notre UHM qui c'est Unité Hydro-Météorologique Pays d'Haïti. Avec différents collaborateurs, nous avons gagné toutes informations sur diverses zones, régions métropolitaines dans le cadre rubrique traversée. Nous allons faire le même exercice avec différents correspondants dans le cadre rubrique Ronde Province. Voilà, messieurs, dames, c'est pour ça que nous avons les autres qui prennent fait essentiel dans le quatrième paraître journal Méga Maté pour ce maintenant. Rétez branché, partout monté bouton radio, n'a protoné après pouce. Et voilà, c'est le quatrième sortie journal Méga Maté qui est entré là. Nous prenons rentrer dans le développement journal là pour matin, jeudi qui c'est 5 mai 2022.
Jean nous t'a annoncé dans différents titres de New York, côté divers mouns qui étaient kidnappés, qui jouent en libération. Yo. Et hier, on a parlé de selon le journal dominicain Listen Diario qui a annoncé libération diplomate dominicain Carlos Agulian Tatis dit avant hier soir pour le hier matin. Il n'y a pas de trop détails sur circonstances de sa libération. Pendant la signalé tout, bandit yo libéré entrepreneur Jean-Marc Antoine, il était kidnappé depuis lundi, qui était aidé, mais pas oublié tout est gagné pasteur Alcéo Macatu qui était bandit kidnappé, qui joue une libération. Oui, gagné pasteur Atou qui joue une libération hier matin. Pasteur Alcéo Macatu joue une libération après 3 jours de séquestration. C'est l'agent qui baille pour le Ticaré, joue une famille hier matin. Il y a un gros soulagement pour proches entrepreneurs. N'a avancé avec information concernant Andy Extradition, Germaine Jolie alias Yon, que tout le monde connaît ce nom ça, qui c'est numéro 1 gang 400 Marozo, qui a un problème sérieusement en plein nom. Après autorité haïtienne, nous avons fait une extradé monsieur là, dans le pays États-Unis, dans la date qui était 3 mai, mais ben Yon lui-même qui semblait faire premier paraître là devant la justice américaine. Extradé dans le pays États-Unis, je quittais ma 3 mai, Germaine Jolie alias Yon, qui arrive à hier mercredi 4 mai 2022, il était accompagné d'un citoyen américain qui est Elian dans Tunis qui est 43 l'année, Jocelyn Dor, un haïtien qui est 29 l'année, et Walder Saint-Louis, l'autre citoyen haïtien qui est 33 l'année, côté accusé Mounsa pour contrebande, blanchiment d'argent et violation contre loi contrôlant, cap contre les questions de produits exportés sortis dans le pays États-Unis. Pendant qu'on a rappelé que Triosa a arrestation dans le pays États-Unis, il était accusé parce qu'on a acheté armes et munitions pour capable pour voyer revendre en Floride, pour voyer bail 400 marozo en Haïti, côté de faire bal à exam, ça va passer dans ensemble de barils pour venir jeune 400 marozo. En conséquence, le juge fédéral américain Robin Mary Rader, avocat Onk Sam lui-même, qui Karen P. Siffer, qui ensemble avec avocat défenseur Yon, qui décidait que puissance Kaïd, chef gang ça, qui c'est Yon, 400 marozo, pour que M. toujours en détention, sans caution, pendant que l'avocat lui-même, Karl Rapoussib, selon maître Karen Siffer, les faire connaître que, mais il y a pas de temps là pour capable à garder, réviser, garder un document, et 5000 documents comme preuve, accusation contre chef gang Yon. Dans ce sens, mais bon, prochaine audition, qui prévoit faite, 17 mai, Cap Vinila, qui pourrait permettre que l'accusé, on a parlé de Yon, soit plaidé coupable ou bien non coupable d'après autorité américaine. Ça veut dire Yon qui fait première apparition là devant la justice américaine à hier, qui était exactement 4 mai 2022 si là. N'a toujours été dans le même dossier ça, dossier qui est pour avec mes chefs gang 400 marozo qui c'est Yon Germaine Jolie qui était paraître devant le tribunal Washington à hier mercredi 4 mai 2022 hein, qui dégage Eliade Tunis, Justin Dor et Walder Saint lui, monsieur, messieurs, dames, ça qui paraît devant l'autorité américaine. La fois qu'on est là, la situation ça, accusé de complot et violation loi américaine, précisément exportation, soit depuis dans le pays États-Unis, question d'armes de guerre, enlèvement, séquestration, contre rançon, si contre ensemble de soins américains, pendant que mes avocats annoncés, Matthew Gravitz, pour qu'il procureur gouvernement Washington, non, et George Pio, agent spécial fédéral, Bureau of Investigation, FBI. Yon, qui paraît devant le tribunal Washington, qui était accompagné avec 3 moun, jeune désir, Eliade à Tunis, 53 l'année, citoyen américain, qui résidait dans Pompano Beach, en Floride, Jocelyn Dor, 29 l'année, yon citoyen haïtien, qui vit Orlando, Floride, et Walder Saint-Louis, 33 l'année, citoyen haïtien, qui résider dans Miami, Floride. Accusation, la justice américaine, depuis le mois septembre et novembre 2021, présumé coupable, yo question. Ils ont comploté là pour expédier illégalement ZAM. Ils ont arrêté pour que son ZAM illégal a fait entrer dans le pays avoué par le groupe 400 Marozo par Sandré Lé, un gang qui est basé en Floride. Ça veut dire qu'ils ont fait gang ça, fait servir comme intermédiaire pour capable mais acheter ZAM, passer par gang ça pour voir en Haïti par monsieur et 400 Marozo. De l'autre côté, mes questions accusations reprochées, c'est mentionné également question mes actes kidnapping et séquestration sont ensemble de citoyens américains. Pas de rappeler, dans le mois de janvier 2021,
2021, 400 Maozo t'est kidnappé et séquestré. N'a pas dit c'était mois octobre, sinon parlé de ça. C'était 16 octobre 2021. Il ont été kidnappé 17 missionnaires, 16 Américains et Lyon en Canadien. Jamine Jolie de lui-même qui est pour le paraître devant Andy la justice américaine. Dans la date cap 17 mai 2022 cap Venila, dans 10h30 dans l'après-midi. Toujours dans Washington, dans pendant audience ça, Jamine Jolie, car il y a occasion, j'en dis là, pour lui dire, est-ce qu'elle est coupable? Mais est-ce qu'elle n'est pas coupable de selon ça reprocher là? Après, l'autre comparution qu'a pour faite encore pour Jamine Jolie, dit Yon, qui prévoit faite dans la date cap 8 juillet 2022, après 17 mai. Jean-Noël était annoncé sur notre site journal la gain chambre commerce et industrie franco-haïtienne qui exprimait préoccupation par rapport à bataille gang en pleine qui paralyse l'activité économique Damien Drouillard quoi des missions bit boyer la traîne notre yo mettez dehors nous pour permettre tout gain plus information sur notre ça yo mettez dehors non note qui portait date 4 mai 2022 chambre franco-haïtienne commerce et industrie exprimait préoccupation par rapport à la sécurité qui à valer terrain parmi les cas enlèvement à répétition cap gangrené pays situation ça hypothéquer investissement et emploi citoyen yo chambre souligné lutte acharnée qui gagne entre gang armé pour gain contrôle territoire dans niveau Matissan cité Soleil en plein porter à tête à intégrité la vie puis bien paisible citoyen qui vivent dans zone ça yo une situation tension qui a prené depuis une semaine dans zone Damien Drouillard quoi d'émission but boyer Claircine Santo mettait en péril employé emploi et investissement importante entreprise industrielle ou à commercial même affilié avec effectissa une situation ça tout elle est préoccupée parmi des deux parmi membres New York qui c'est société Wamba Bankou avec aliments congelés SA déploré absence totale autorité policière yo entreprise ça yo Yo bay presque 700 emplois directs ak environ 3500 emplois indirects. C'est un réseau plus passé 3000 planteurs canne à sucre dans plein nord ak environ et ak zone qui entoure lieu qui trouvé yo incapable ou capable approvisionner principal client yo qui c'est société Wamba Bankou, une entreprise qui désormais et qui na liste patrimoine national. C'est qui ça qui gen en tête li Grégory Brantan avec autorité on a l'état pour sortir dans silencieux pour capable prendre disposition pour établir la paix dans le pays. C'est ça en résumé notre ça qui chambre commerce avec l'industrie franco-haïtienne qui exprime préoccupation par rapport à la bataille qui gagne en pleine qui parle des activités économiques. On a toujours été dans le même dossier insécurité ça qui a grandi là en pleine qui la cause en pile monde parce que on a réagi en pile secteur acteur parce que on a réagi en pile organisation dans la société civile, parce qu'on réagit et concernant tout extradition, yon qui fait dans le pays États-Unis. On va venir avec tout dossier ça pour nous toujours être dans la même information. Si là, j'ai été annoncé dans le titre journal, qui est bien suivi à 30 août 2021, et qui met en pour la presse de York. Rapidement, on va aller avec notre ça. Depuis samedi 23 avril, le bureau suivi à 30 août 2021, on va regarder la situation sécurité qui a dégénéré dans plein qu'il des sacs là région nord métropole Port-au-Prince là à cause gang armé quoi des bouquets qui a gommé à gang armé la plaine la presse ak, organisation doit mounio rapporter plusieurs mounes qui t'a perdu la vie déjà à partir week-end 30 avril là bio suivi à quoi lui-même observé situation en vine et en vlumin puis red toujours à cause gang armé dans cité soleil temps mais gommé pas yo dans mitan de diffé la guerre gang en haut coup en bas population en lui-même aux abois gang boulekay touye moun bat yo fait toute forme menace ak agression sur yo moun yo obligé quitter kayo courir à la chercher refuge dans l'autre zone entreprise à production au soir commercialisation obligé fermer porte yo transport moun ak marchandise bloqué la plaine
sous route nationale numéro 1, hein, route 9 à route nationale numéro 3, c'est avec un pile tristesse bio suivi à quoi avouer c'est parti la baie famille qui victime Zaxayo, bio suivi à comprendre un gros douleur. Dans la partie l'ouest région métropolitaine Port-au-Prince, depuis le mois décembre 2021, c'est même situation ça qu'a fait dans zone Bitboyer, dans Galette ou en haut tabac, Torcel, Peignier et La Trier. Pendant ça, kidnapping a pas gagné chaque jour plus dans toute la Port-au-Prince et puis rendre famille victime aux plus pauvres. Moi, j'ai qui pral vini là. Lui, c'est pral fait, ça pral fait une année depuis même scénario ça, que lui même macabre ça, fait dans participe zone métropolitaine Port-au-Prince. Plus passé 20 000 mounes obligés déplacés, yon pile à capac moun en perdu la vie. Majorité business a fait faillite et puis région Grand Sud là coupé dépilée à caresse payant. Conseil CPI la police qui c'est CSPN, gouvernement de facto en place là, rete bébé sous dégradation tragique situation sécurité. Yo pas jamais fait un lien sérieux pour débloquer Matissan. Il n'a pas pris aucune disposition ni pour protéger la population, hein, ni pour combattre l'insécurité. Ça, qu'a fait, jeudi, hein, malgré une majorité de la société a pas dénoncé, fait pétition, manifesté et puis même fait démarche pour aller rencontrer le pouvoir en place là. Promesse faite, mais papi pas tabac, situation et sécurité en vite emblémée, pire toujours d'après Sabiwa, les mêmes ni dit. C'est comme qui dit gagnon état-major criminel qui gagne réseau gang à mel tout partout dans la région métropole Port-au-Prince, cap serré et tout, chaque jour plus sous population à corps social pour conduire l'abattoir. Question tout on a posé, c'est dans qui objectif y a des types pas ici en ça. Non, docteur Ariel Henry, chef gouvernement plaça à Calais-Lyonna, quoi, en septembre, non. Toutes jouettes, c'est jouettes, cochettes par la dalle. Nous pas capables de prendre le pouvoir depuis plus passé 10 mois, dans condition nous prenons l'angisse pour nous al complice, yon état-major criminel. Cap détruit yon pays comme ça. Non, corps groupe, et spécialement ambassade américaine, BINU, délégation Union européenne, ambassade de la France et ambassade Canada, nous pas capable d'établir qualité et domination ça sur yon pays. Et puis nous propose observateur nous, pendant y a détruit la vie population et démentibler les sociétés. Ya. Dans la situation paysan, spécialement région métropole Port-au-Prince arrivé là. Journée aujourd'hui, nous-mêmes, représentants Siate encore on est 30 d'août là, nous ne pouvons pas suspendre toute l'autre acte, tant que l'église, l'école, l'institution, la santé, organisme, douamoun, institution, secteur privé, la presse, organisation politique, organisation sociale, yo, enfin tout corps social payant pour yo entrer en concertation entre yo, mobiliser yo, mener action publique ak diplomatique qui nécessaire yo pour yo forcer gouvernement de facto à mettre yo frein dans phénomène insécurité à pareil à mener bataille pour payer qui a dirigé yon l'autre gens gouvernement doit quoi payer insécurité ou bien reconnaître li pas capable rempli minimum rôle ak responsabilité yon pouvoir l'état des obligations pour les prendre dans tout pays. Bio suivi à Kouan, dans tout Siate à Kouan Montana, renouveler solidarité et engagement pour le travail avec tout acteur conséquent dans la société pour améliorer la situation pays. Port-au-Prince 3 mai 2022, pour coordination BSA, gain. Magali Komodeni, Jacques Ted Syndic, Pierre Wilkins, Chérisme, Ginette Chérubin, Marie-Christine Stephenson, Ernst Mathurepi et Leslie Voltaire. Toujours ça, c'est réaction des positions, bureau suivi à 30 dans la qui